haïtien. N'importe côté où il est, on est haïtien. Et il y a toujours rappelé qu'on est haïtien. L'image qu'on a de où, même si on est riche, même si on est sauvé, c'est l'image qu'on a d'Haïti à qu'on a de où. Yo, ça a fait tout le monde comment nous y est. Tandis, vidéo ça, avant même que vous commencez à regarder, vous avez au commencement vidéo, comment elle partit, vidéo ça va parler d'Haïti, et si que vidéo ça pas intéressant, vous capable toujours virer le regarder une autre vidéo parce que vous n'avez pas vidéo pour là. Ça arrive tout, ou pas un bon haïtien, ou pas patriote. Pas un problème, si que vous même vous pas regarder vidéo ça. Mais tout vrai haïtien, ça supposé regarder vidéo ça. Jacques, ou même, ou commencez à regarder le commencement vidéo, c'est Chango. Une artiste haïtien qui pas vivre en Haïti mais qui parle de Haïti en pile. Mais c'est pas les séries de bagages dans la vidéo ça qui peut choquer en pile dans nous. Quel que soit côté que vous même arrivez à, ou a style toujours été haïtien, ou a représenté Haïti. Par rapport avec Jean Haïti à l'époque, à Kounia, son désastre. Moun pa ka marcher dans le pays, la diaspora pa ka rentrer, ni en pile activité qui bloqué, et communauté tout, qui vivent à l'étranger, les qui a fait série de grands programmes, yo juste et enjoy, vibe là seulement, et puis yo pa parler de Haïti, yo pa conscientiser moun. C'est vraiment triste. Les qui apprennent tout, les mois qui sont passés, au côté monsieur a parlé, et il y a plus de morts civils en Haïti, qui Ukraine qui en guerre. C'est vraiment triste. J'ai des bagages ça. Ça qui m'a parlé plus loin dans la vidéo, ça qui était moi-même, moi, fort en démission, qui t'a parlé comme ça en dans la vidéo, ça qui est capable de choquer en pile dans nous, qui prend le temps des vidéos, ça. De toute façon, nous ces garçons, nous ces femmes, jambes, nous sommes capables toujours de faire. Parce que même si c'est lui-même, les qui a parlé, l'a fait allusion ensemble avec, et triste. Réalité ça ou l'eau saute dans j'émissi. Moi, je sais quelqu'un qui aime moi-même pour me battre parce que je suis un garçon et je suis posé rester garçon. Si je viens pour me battre pour pays, en bonne et difforme, ma fille. De toute façon, en autant d'émissi lui-même qui t'a parlé comme ça. Let's go. Mais bien sûr, on a eu Timano quand même dans la musique haïtienne. On a eu Timano. Ou même si jeune gens qui appétitent, c'est pour nous pas décourager, pas quitter l'argent, fait nous fait tintin, pour nous voyer livre nous yo jeter. Gen plusieurs façons, yon moun ka gen l'argent, mais gen yon seul chemin pour yon moun cultiver. C'est alchita l'école prend livre étudier, pour qu'elle ouvre bouche ou dans la société, même si yon moun riche ou plein l'argent. Donc c'était ça le message à l'époque. J'étais enfant, je continue à chanter ça. J'étais enfant. J'étais même pas encore né quand cette musique a sorti. Tu sais, tu comprends la force du message de l'artiste. Ah ben moi, j'essaie de, c'est justement ce que je suis en train de faire, de dire bah moi Jean-François, je te rassure, je peux faire un son, la femme m'a quitté, etc. Mon zizi, faire ça si tu veux. Mon zizi, machin, je pouvais faire aussi. Du compas, du bon compas. Je pouvais parler de mon zizi dans mes chansons et des millions de gens, etc. Mais ça va me servir à quoi? Avoir beaucoup d'argent et on continue à tuer des gens chez moi en Haïti. Je peux pas aller en Haïti, aller voir mes amis, aller sur la tombe de ma mère. Je peux pas. Tu comprends pas? Ça fait quoi que tu as beaucoup d'argent? Mais on continue à violer des femmes de 12 ans, de 15 ans dans votre pays. Elle est toujours là. Mais bien sûr, c'est ça la réalité. On continue à violer des femmes, on continue à tuer des gens, mais... Et en toute impunité. Toujours moun qui a rentré quand il y a moun pour violer moun et puis fusil. Pas entrer, aller prendre des gens dans des universités, dans des écoles, etc. à Port-au-Prince. Mais c'est ça la réalité. Ça veut dire que on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir beaucoup de succès. Elle fait quoi la police? Mais déjà la police, beaucoup de policiers sont aussi dans des gangs. Non. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est que la police, il y a de l'embargo des armes sur Haïti. La police ne peut pas acheter des armes. Alors que les bandits ont beaucoup d'armes, il faut admettre. Et on a un gouvernement totalement irresponsable qui fait que jouir, qui fait que ça, jouir leurs privilèges. Beaucoup de sirènes dans la rue, beaucoup de policiers, beaucoup de voitures 4x4 de 180, 200 000 dollars. C'est ça, des ministres avec 4-5 machines et voitures dans leur cottage, c'est ça. C'est ça la réalité en Haïti aujourd'hui. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est de dire aux Haïtiens qui me regardent, aux communautés noires, aux communautés antillaises, etc., qui nous regardent, aux communautés françaises, etc., je sais pas, états-uniennes, vous avez une responsabilité. Je vous invite franchement à
manifester votre solidarité envers Haïti. La parole d'Haïti doit parler dans les tribunes du monde entier. Les Français, Jean-François, ne connaissent pas ce qui se passe en Haïti. Les Antillais ne connaissent pas. Les États-Unis ne connaissent pas. Il ne faut pas en parler. C'est comme il y a ce silencement. Il y a un silence impossible. Un silence meurtrier sur Haïti. Alors qu'on parle de tout ce qui se passe dans le monde. Il y a un truc, une balle, ça, une balle est pétée en Ukraine. Ah ouais, tous les médias, ça parle, mais bien sûr. En Israël, c'est la même chose. Mais pourquoi pas d'Haïti? Tu sais quoi? Il y avait un mois, c'était, je crois, juillet ou août ou septembre, je ne sais pas. Il y avait beaucoup plus de morts civiles en Haïti qu'en Ukraine. Haïti n'est pas un pays en guerre. Il y avait beaucoup plus de morts civiles en Haïti qu'en Ukraine. Depuis le début du mois de novembre, c'est plus de 4000 morts. C'est ça qu'on est en train de vivre dans le pays. C'est ça Haïti aujourd'hui. Mais personne n'en parle. Silence radio. Il n'y a que toi qui me donnes cette possibilité énorme de parler d'Haïti. Parce que j'en suis sûr, les peuples du monde, s'ils savaient ce qui se passe en Haïti, ils auraient manifesté leur solidarité envers Haïti. Moi, j'en suis sûr. Les peuples sont toujours solidaires partout dans le monde. Les peuples sont toujours avant-gardistes pour dire non, ça ne peut pas être comme ça, ça ne peut pas rester comme ça ailleurs ou dans nos pays. Chango, on voit les infos quand même, on voit les images. Mais quelles infos, frère? Quelles infos? France 24, chaque un an, chaque 10 ans, un reportage sur Haïti, des gangs. BFM, en Haïti, des gangs. Période, silence radio. Et puis c'est bon. BFM. Mais BFM. Itélé. Non, ça, il n'y a pas d'Haïti dans ces milieux-là. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, quand on veut parler d'Israël, c'est tous les soirs, on a des invités sur Israël. Oui, sur le plateau. Sur le Hamas. Sur l'Ukraine. C'est tous les soirs. On a des invités de marque, des spécialistes de sécurité qui parlent comment on va gagner la guerre, comment on va perdre, etc. C'était ça la réalité. Mais Haïti, on ne parle pas. Est-ce qu'aux États-Unis, CNN, non? Zéro. Non, mais parfois un article. Parfois un article. C'est que Haïti n'existe pas dans les médias occidentaux. Quand il y a le tremblement de terre, oui, parce qu'on voulait, faire de l'argent. Ça, non. Ouais, ça, ouais. Haïti était vedette. We are the world, we are the world. C'était ça, Haïti, à l'époque. OK? Et puis, après, silence radio. Parce que c'est ce qu'on vit en Haïti, Jean-François, c'est incroyable, c'est tout. Moi, j'étais en Haïti en juillet. Je vais retourner en Haïti ce mois-ci. Mais ce qu'on vit en Haïti, c'est incroyable. Particulièrement dans la capitale. Et même si c'était dans un seul quartier, ce serait encore incroyable et ce serait inacceptable. Moi, c'est ça ma démarche, c'est de dire, un, moi je parle à vous, mes frères et martiniquais, à vous, mes frères et sœurs martiniquais, guadeloupéens, guadeloupéennes, français, françaises, je parle à vous. On a besoin de votre solidarité. Je parle à mes camarades, mes compatriotes haïtiens, haïtiennes, pour les dire, on a une potentialité de devenir une force. Déjà, vous, dans la diaspora, et les Haïtiens qui sont en Haïti, si on se met ensemble, on crée des objectifs communs, on arrête cette division impossible, cette division destructrice, je dirais, cette division handicapante même, qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Si on arrête tout ça, on peut devenir une force et une force qui peut influencer le devenir de notre pays. Il y a des Haïtiens qui sont élus aux États-Unis. On est d'accord. Il y a des Haïtiens qui sont juges aux États-Unis. Il y a des Haïtiens qui sont responsables de la police aux États-Unis. Il y a des Haïtiens partout qui ont oublient. Tu as dit qu'ils oublient. Mais non seulement oublier. Chango, c'est ça que tu as dit. Oui, mais non seulement oublier. Ils oublient qu'ils sont Haïtiens. Non seulement oublier, mais ils veulent prendre la position contre Haïti, non, pour les États-Unis. Le porte-parole de la Maison-Blanche est haïtienne, Karine Jean-Pierre. Mais tu vois comment elle agit, cette femme? Tu vois?
porte-parole de la maison. Elle est haïtienne. Ouais, elle est haïtienne. Wow. Son père et sa mère, les deux sont. Elle est née, je crois, en Guadeloupe ou Martinique. Je vais la googliser, je vais regarder tout à l'heure. Mais ouais, Karine Jean-Pierre, ouais. Et tu as déjà essayé, pourquoi pas, de lui faire un courrier ou. C'est impossible de rencontrer ces gens. Je dis pas c'est impossible, mais c'est difficile. Non, déjà, ça, déjà leur position. Rien n'est impossible. Non, que vie, je dis c'est impossible, c'est difficile. Et leur position aussi. Parce que, en fait, Jean-François, moi, à la Maison Blanche, j'imposerai des choses ou non, sinon je démissionne. Parce que la Maison Blanche, c'est le plus grand espace, entre guillemets, du monde occidental, moderne, colonial et raciste. On est d'accord. Donc, si je suis là, je dois être là pour quelque chose. Donc, je dois au moins parler clairement sur la situation en Haïti. Il est clair que les armes viennent des États-Unis. Les munitions viennent des États-Unis. On a déjà trouvé un fusil et de l'armée américaine en Haïti, des armes de guerre. Et ça ne dit rien. Ça ne vous dit rien. Même des mesures pour empêcher que ça arrive. Mais quand même, c'est inacceptable. Donc, moi, je pense que le silence criminel de ces pays, de ces médias, de ces structures, prouvent clairement que et Haïti paye quelque chose. Malheureusement. Hein? Mais moi, comme je dis tout le temps, c'est pas ça mon problème. On peut vouloir faire payer Haïti ce que vous voulez. C'est nous, les Haïtiens, qui nous devons décider ce qu'on veut, ce que nous voulons faire de notre pays. C'est à nous. C'est la raison pour laquelle moi, je m'adresse toujours aux Haïtiens et Haïtiennes et au peuple du monde entier. Parce que moi, je parle des peuples. C'est les peuples qui font bouger les choses dans le monde. C'est les peuples qui agissent. C'est les peuples qui disent non. C'est les peuples qui disent qu'il faut stop, il faut arrêter à un moment. C'est les peuples. Et moi, je vois le résultat des mouvements de solidarité. Qu'est-ce que tu dirais à cette communauté haïtienne pour terminer l'émission? Je précise, une fois par mois, dans l'émission, à cœur ouvert avec notre ami Shango, il intervient sur le plateau avec nous une fois par mois, donc prochain rendez-vous début janvier avec lui. Quel serait ton message à tous ces Haïtiens? Je tiens quand même à dire que tu pars pour les fêtes en Haïti, tu y tiens? Ouais. Pourquoi pas tu y à Haïti pour les fêtes? Bien sûr. Tu prends ton avion, tu pars en Haïti? Ouais, ça fait 2 ans que j'ai pas passé. Tu rapport au prince? Ça fait deux ans que j'ai pas passé Noël en Haïti. Et tu veux le faire? Oui, ça me manque. Je m'en souviens et en 2021 ou 2022. Ouais. En fait, dans décembre 2022, j'étais là dans une station de bus. Mmh. J'étais au téléphone avec quelqu'un en Haïti. En fait, il y avait une musique de Noël qui passait à la radio. Et automatiquement, j'étais en larmes. Parce que ça me rappelle ma maman, tu vois. Ça veut dire, le fait de ne pas pouvoir être en famille avec écouter de la musique de Noël. Tu aimes ton pays, hein, Shango? Mais c'est j'ai même pas le temps d'aimer Haïti, frère. Haïti, c'est moi. Haïti est en moi. Haïti, c'est moi. Haïti est en moi. Donc, ça veut dire que j'ai même pas ce temps d'aimer ou pas. Haïti, c'est moi. C'est tout. Donc, ça veut dire écouter une musique 24 décembre, rivé, messieurs, dames. Franchement, c'est. Ça me fend le cœur et j'étais en larmes, je dis à la personne. C'est Shabbat, ça, non? Non, c'est Tropicana. Oui, Tropicana. Tropicana. Et franchement, ça me rappelle mon enfance. Mon père, ma mère étaient là, on est en train de faire la peinture. De préparer, etc. En fait, l'odeur de la peinture, l'odeur de la chaux. En fait, ça me manque, tu vois. Waouh! Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'émotions. Donc, en gros, tu rentres au pays, là, pour le. Ouais. Pour les fêtes. Ouais. Et tu iras à Port-au-Prince? Ouais, je vais à Port-au-Prince. Pourquoi aller à Port-au-Prince? Ouais, je vais. Ou pas pêche, Shango? Non, j'ai peur de rien. Je t'ai déjà dit, Jean-François, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Personne peut m'arrêter. Mais personne, mais vraiment. Et personne ne t'empêchera pas d'aller en Haïti, ton pays? Non, mais personne. Tu penses qu'ils ont mis une peur dans le... Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui te disent qu'ils ne veulent pas aller en Haïti, hein, Shango? Bah, bon, moi, ça, c'est leur affaire. Moi, je peux pas parler à la place des gens et c'est la raison pour laquelle justement ils ont raison. La situation est compliquée en Haïti. Je ne suis pas dans le déni. Non, je suis pas dans le déni. La situation est compliquée en Haïti et c'est la raison pour laquelle justement je les demande de bien vouloir s'organiser, de bien vouloir se mettre ensemble
pour pouvoir créer cette force qui peut influencer positivement les choses en Haïti. C'est ça. Être diaspora, c'est pas... Si tu vois, mais tu as vu les trucs de Jimmy Danger, etc. 5000 personnes regardent un mec qui raconte des conneries. Et alors, on dit qu'il est mort. Décédé, c'est bon. Il est mort. Il est mort. Jimmy Danger, qui était un influenceur, quelque part. Ouais, un influenceur. Qui était artiste avant, était tambourineur. Exactement. Après, il devient quelqu'un qui raconte n'importe quoi, des bêtises, etc. Bon, il était virulent à l'antenne, quand même. Mais oui, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux et nombreuses. Ils sont des influenceurs, tiktokeuses et facebookeuses, mais qui racontent n'importe quoi. N'importe quoi, c'est que de la bêtise. C'est le nivellement au plus bas et par le bas, frère. On ne peut pas continuer à accepter ces choses-là pour nos enfants. Et nos enfants regardent. Nos enfants regardent. Si aux États-Unis, les enfants veulent devenir influenceurs ou influenceuses, ben les États-Unis, c'est les États-Unis. Mais si c'est notre cas aujourd'hui, nous, on n'a rien pratiquement. On n'a pas les infrastructures. Frère, aux États-Unis, il y a un système qui fonctionne, qui marche, mais nous, on n'a rien. Si nos enfants veulent partir dans cette direction-là, qui va continuer et les luttes, qui va changer le pays? Ben ouais, c'est ça la réalité. C'est intéressant aussi, montrer que les autres là aussi, c'est important. En fait, ça moi, je t'ai dit, c'est que n'importe côté, il y a toujours été haïtien. Donc, toute image, je gagne. Ça, on dit, quelque part. Non, mais n'importe côté. Un haïtien reste toujours un haïtien. N'importe côté, oui, on a pris haïtien. Et il y a toujours un peu comme ça, haïtien. Image, je gagne de où, n'est pas même sous riche, même sous sauvé, c'est image, je gagne d'Haïti, je gagne de où. Si on a une belle image d'Haïti, il y a une belle image de où, n'importe côté, où sur la terre. Je dis, hein, Léon France est arrivé dans le pays, c'est la France, ouais. C'est pas Mounan, ouais. À son français, à son états-unien, à son cubain, à son... Donc, ça veut dire, n'importe côté où est haïtien, et sous est haïtien, où on devoir, où on responsabilité pour participer dans faire pays où vit nos côté moun ka vivre tant que moun. Où on responsabilité pour faire pays où vin on côté moun ka vivre tant que moun. Et bagay ça, li pa ka fait nan danser sur TikTok, li pa ka fait nan danser bal, nan danser festival seulement. Nous ka danser, nous ka faire ça nous voulons. Mais la vie nous pas ka résumer à ça comme communauté. Pi gros bagay communauté haïtienne nan fait à l'extérieur, c'est festival, c'est bal. Nous pas ka continuer dans ça. Nous pas capable, mes amis. Moi même c'est artiste, m'jouer, m'faire concert, etc. Mais faut qu'on parole qu'a parler dans concert là. Si pays nous c'est un bon pays, côté tout le monde a vivre bien, m'te ka chanter toute bagaille de cul, m'te ka chanter ça m'vle. Mais dans état pays mien là, m'pa ka gagner tout le monde ça vienne dans concert moi et puis pas qu'on parole qui parler sous pays là. Pas qu'on parole qui rester dans tête monde pour connait le responsabilité, pour connait le bagaille qu'a fait. Si nous voulons pas venir dans concert, ça c'est nous-mêmes. Mais moi-même m'a toujours bon parole qui sous pays là. M'a toujours une parole qui dit où on responsabilité pour prendre. Et puis dernier bagage m'a dit nous, c'est l'esprit l'amour pour guider nous.